C'était un peu la grand-messe de Force ouvrière aujourd'hui. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général confédéral, a tenu cet après-midi son meeting. Une façon de fixer les grandes lignes directrices au moment où son syndicat est au cœur des préoccupations. On parle beaucoup de Force ouvrière, hein, notamment ces derniers temps sur Marseille. Donc c'est important, j'aime bien cette ville, j'aime bien le département, j'aime bien les militants. Ce, ou plutôt celui qui en parle beaucoup, c'est Patrick Menucci, le maire des 1-7, a déclenché les hostilités envers Force ouvrière. Je dis simplement que la façon dont Force ouvrière se comporte à l'intérieur de la mairie de Marseille, à l'intérieur de la communauté urbaine, sur la question du fini parti, sur la question de la propreté de la ville, n'est pas cohérente et ne correspond pas à la façon dont moi, si je suis maire de Marseille, j'accepterai qu'une organisation syndicale se comporte. Propos qui forcément ont eu du mal à passer. Il a un problème cyclique, ça se soigne. Quand je dis ça se soigne, je dis pas. Quand je dis ça se soigne, c'est qu'au dernier municipal, il nous avait attaqué. Après, entre deux municipales, quand il y a eu un changement de responsable chez les territoriaux, ça s'est fait dans cette maison ici. Il est venu. Pourquoi il était là? Ben, il est pas faux, hein. Pourquoi il était là? Il s'est pointé. Bon. Et maintenant, il est municipal, il nous attaque. Bon, alors, est-ce qu'il, pour vivre, il a besoin de FO? J'espère pour lui que non, quand même. Et puis, il y a eu la Chambre régionale des comptes qui a fustigé le manque de travail des fonctionnaires marseillais, près de 40 heures de moins que la moyenne nationale. Les explications. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. En fait, tout simplement, quand on a négocié les 35 heures, le personnel de la ville de Marseille, du temps de Gaston Defer, bénéficiait d'une semaine d'hiver, qui à l'époque travaillait 8 heures, donc c'était 40 heures. Et quand on a donc passé à 35 heures, on a intégré la semaine d'hiver dans le calcul annuel, et c'est le différentiel de 40 heures.